Une sœur m'a posé la question. Elle me dit que quand elle est inscrite dans un site, en fait, elle ne tombe que sur des vieux. Il n'y a que les vieux qui l'écrivent. D'accord? Elle ne comprend pas parce qu'elle aimerait avoir des jeunes. Quand vous vous inscrivez, il y a une partie où on règle l'âge. Normalement, tu règles l'âge. C'est toi qui mets la tranche d'âge que tu veux. On ne met pas de 0 à 99 ans. Non. Ça montre que tu es une personne, soit tu ne connais pas, soit tu es désespéré. Et à cause de ça, tu peux aussi te faire avoir par les grands-pères des sites de rencontres. Parce que dans les sites de rencontres, il y a les grands-pères. Je vous ai dit ça. Il y a des hommes qui habitent dans des sites de rencontres depuis des années. Ils ne vont jamais quitter là-bas. Il est là-bas comme ça. Là. Il est marié, il a les enfants, il est grand-père. Et il habite dans les sites de rencontres. Donc tout ça là, c'est très important. C'est tout ça là qui attire une certaine catégorie de personnes. Tu vas régler l'âge. N'ayez pas peur de choisir des hommes qui sont de votre génération. On ne dit pas peu importe l'âge, ça ne se dit pas les filles. Tu ne peux pas avoir 30 ans et chercher un homme qui a 70 ans. Ce n'est pas normal. Ma chérie, ce n'est pas du tout normal. Sauf si ça te tombe sur le visage, hein, parce que ça peut arriver. Tu te promènes pour toi, tu tombes sur un monsieur qui a 70 ans, qui te parle le bon français, qui te traite comme il faut, tu vas dire que bon, peut-être que c'est lui en fait. Et à côté de ça, tu vis ta belle histoire. Mais si tu as la possibilité de choisir, choisis un âge qui te correspond. Tu as 30 ans, prends un homme qui a entre 30 par exemple et 45 ans maximum. Et maintenant, si à 46 ans vient t'écrire, tu tentes ta chance. C'est comme ça. Mais ayez la possibilité de choisir l'âge qui vous correspond parce que la chance existe encore. La chance existe, les filles. Ne doutez pas de vous. Croyez en vous. Vous avez le droit d'être heureuse. Si vous faites les choses comme il faut, vous allez être heureuse. Ne soyez pas prête à tout. C'est-à-dire que peu importe son âge, je vais plonger. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont mises avec des hommes qui étaient trop vieux pour elles. Mais croyez-moi que les femmes en question, aujourd'hui, on les met à la tête comme ça là. Le but n'est pas de se mettre avec un homme, toi tu as 40 ans et lui il a maintenant un âge où Tindy, il est maintenant comme ça, que Dieu me pardonne, je ne suis pas en train de me moquer. Mais le but est de vieillir avec son partenaire, même si qu'il a 15 ans ou bien 20 ans de plus que toi. Tu comprends, non? Au moins tu sais que ça roule en fait. Si tu as la possibilité de choisir, tu dois choisir. Le site de rencontre, c'est le moyen où vous pouvez choisir. On ne se met pas avec quelqu'un qui est trop vieux. Comme si vous étiez désespéré. Comment à 30 ans tu vas être désespéré, ma soeur? Moi, j'ai 42 ans. J'ai 5 enfants. Même si que je suis mariée, les filles. Moi, je ne suis pas désespérée. Hein. Parce que je sais que tant que je ne vais rien faire, Dieu ne va pas me punir. Je garde espoir. Je suis une femme forte. Et je reste positive.